Julien, quels doux mots me parviennent à mes oreilles. Ne me parviennent pas du tout à mes oreilles d'ailleurs. Mais quels doux mots je lis là. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça devenait le buisson là, ça devenait la forêt amazonienne. Jonathan! Si jeune, une peau de bébé. Comment ça va les gars? Comment ça va? J'ai soufflé mes 18 bougies, c'est ça? Non, j'ai laissé 2,5 mm quand même. Regarde-moi ça. Pour faire genre, tu vois. Je suis un homme. Ça y est. Elle vous a plu cette petite playlist là? Ça a dû être l'enfer pour toi, Julien. Il n'y avait pas de Fleetwood Mac? Je devrais tellement mettre du Fleetwood Mac maintenant, des fois. Juste pour le fun, tu vois. Enfin, genre, on connaît, tu vois, on est des connaisseurs de rock. Alright! Il y a Tomouk qui nous a suivis. Je crois que je ne l'ai pas remercié la dernière fois. Et JP Jambert. Non, mais c'est JP Jambert. Nous passe nous faire un petit coucou là. C'est incroyable. S'il y a JP Jambert aujourd'hui, c'est incroyable. Moi, je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis. Bon. Vous savez ce qu'on fait hein, aujourd'hui. Est-ce que je l'ai pas téléchargé, je crois. Si, j'ai téléchargé. Ah, attendez. Je me mets bien carré là dans mes fichiers. Hop. J'ai rien préparé, hein. Donc si ça se trouve, même le fichier Illustrator là de la fleur, il est peut-être dégueu, tu vois. Mais on va cleaner ça ensemble. Punchline AI Flower. Ok. Vous avez passé une bonne semaine? Ou sinon je fais un tuto make-up, hein? Tuto rasage. Ça t'intéresse? Mais toi t'es aussi un putain d'imberbe, Julien, il me semble. Enfin, putain d'imberbe. Toute proportion gardée, toute modestie gardée, bien sûr. Ou bien t'es plus régulier dans le rasage, je sais pas. Et peut-être ça. Les gens sans barbe, catastrophe. Streamer toxique. Non, mais la mienne, elle est venue hyper tard aussi. Je me souviens, au collège, j'avais déjà des mecs qui avaient des beubards de daron de 30 ans, là, s'il te plaît. Daron de 40 ans, même, parce que j'ai 30 ans, justement, moi. Bizarre, hein. Je devrais mettre un bonnet, même, carrément, de temps à autre. Pour faire un peu plus dans le métier, tu vois. Petite beubard, petit bonnet, petite lunette. Comme ça, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Petit contrôle surprise. Attention. Qui va avoir 20 sur 20? Qui va avoir 0 sur 20? Est-ce que Nathan sera encore une fois le bon élève? Et Julien répond avant. Punchline de 7 Gecko, exactement. Un bon point pour toi, Julien. Tu l'as mérité. Tu l'as mérité, je vais imprimer une photo de toi et la mettre sur le mur des bons élèves. Des élèves attentifs, en tout cas. Nathan aussi, hein. Nathan aussi, 7 Gecko, avec un U Gecko. Je crois qu'il y a même un H. Pas un H quelque part? Non, juste un U après le G.
Sinon, c'est Gecko. Tu t'es trompé, voilà. Je me suis trompé. Tu la verras. Tu la verras, c'est promis. Qu'est-ce que je raconte, moi, encore? Punaise. Donc oui, effectivement, animation de punchline de Seth Gecko aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous dit, Seth Gecko? Il nous dit... T'es belle comme une fleur, je te fais une golden shower. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Hop! Bah alors? Illustrator, qu'est-ce que tu fais là? Il se fout de ma gueule? Pourquoi il est pas? Putain, OBS, il me fait des tueries là ces derniers temps. C'est pas possible. Voilà. Donc, on a téléchargé ceci. On a téléchargé ceci sur Envato. Parce que je suis nul en illustration. Mais un motion designer n'est pas forcément illustrateur. Ça, faut le savoir. Ça, il faut le savoir. Et du coup, on télécharge des trucs. Bien sûr qu'on télécharge des trucs si on est nul. Illustrateur, c'est un métier. Bon. Donc, on a ça. Ben, on va cleaner le fichier, hein, tout simplement. Genre, le texte, on en a pas besoin. J'ai failli être un peu mal poli. Mais nous n'en avons pas besoin. Alors, c'est ciao. Comment était votre semaine? C'est que des fois une motion designer for un... Ouais. Ouais, il se la pète un peu, on est d'accord. Bon, là, ce qui était marrant, c'est le caca, mais punaise, on n'a pas besoin du caca, quoi. On n'en a pas besoin. Et comme vous voyez, là, l'illustration, elle est construite... d'une manière très chiante. Voilà. Non, mais regarde-moi ça, ça n'a aucun sens. Mais qui fait ça, bordel? Aïe. Non! Ouais. À demain, Julien. Ah, doux Jésus. Doux Jésus. Ben hop, on perd pas de temps. Hein. De toute façon, la tige, on va la refaire. Ça, c'est pas un souci. La tige et les feuilles. Allez. On enregistre à côté. Ah. Fleur. Oh punaise. Ça c'est le risque. Ça c'est le risque de prendre des illustrations déjà toutes faites. Hein. C'est le risque. Ah là 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 là. Attends, j'ai pas... peut-être supprimer un truc en trop, là. Doucement, José. Ça change rien, ok. Je t'abandonne quelques minutes pour la vaisselle. Pas de soucis, Nathan. À toutes. Tu vas rien louper le spécial. Hein. Yes. Est-ce qu'on se garderait ça? Ouais, ça on le fera plus tard aussi. Putain, la cata.
S'il y a des illustrateurs qui nous regardent, là, par pitié, ne faites pas ça. Hein. Par pitié, quoi. Ah. Ok. Donc, ça, on s'en fout. Ça, ça fait le contour, hein, ouais. Bon, remarque, on en a peut-être pas besoin. Ça, ça dégage. Et tout le reste, c'est ensemble, quoi. Ah, là, il y a des petits trucs cachés. Ouh, le coquin. Hey, hola Rosalito! Yo fou da libre! Un nouveau prétendant de choix pour les batailles de logo là! D'où Jésus! Nouveau prétendant très sérieux là! Très sérieux! Ok. Merde. Ok. C'était ça que je voulais faire. Ok, c'est bon. Bah écoute, ça va, hein? Ça va? Comment s'est passée ta semaine? Kevin, comment s'est passée ta semaine? Au calme. On va séparer une pétale. Je me demande si on va pas... Ouais, on va séparer la pétale. Allez. Faire pareil avec toutes les pétales. T'es au bureau là, Kevin, ou t'es en télétravail? Et c'est quoi la tige? On va direct l'enlever aussi. Elle nous embête. La musique n'est pas trop forte. Là, dans mes oreilles, elle est un peu forte. Mais est-ce que la balance son voix est bonne? Hop là, Pathfinder! Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Ça n'a... Ah merde, j'ai oublié de faire le contour là. Ah l'idiotaine. On revient en arrière. Un poil fort. Serré la semaine en plein dans un espace client pour la marque d'accessoires de tracteurs et des illustrations de portail store pour Triba. Ok.
Là, je suis au bureau en mode sneaky tel un serpent, j'ai la ref. Oui. Oui, j'ai la ref. Ah oui, donc semaine chargée, quoi. Semaine chargée, de ce que je vois là. Est-ce que. Je suis en train de me poser une question là. Je pense que ça sert à rien qu'on fasse. Je pense que ça sert à rien qu'on fasse ça. Ça va nous prendre trop de temps. On va juste, du coup, prendre nos pétales et mettre un contour, tu vois, sur. Mettre un contour. Tout simplement. Plutôt qu'essayer de scinder les trucs là. Ça va nous prendre trop de temps. On enlève ça. Cette pétale aussi, tu vois. Hop, on enlève tout ça. Non. Yes, ok. On clean. On va essayer de te sortir du matériel pour ton live de la semaine pro. Ah ouais, t'es chaud? Je voulais pas te mettre la pression sur le sur ce truc-là, mais franchement, si t'es chaud... si t'es chaud, c'est cool. Ok, ça m'a l'air pas mal. Nathan, la vaisselle est cleanée. Ok, bah écoutez, ça, on va le mettre dans les calques. On va ranger ça. Pétale 01. Hop. Pétale 03. Pétale 04. Et je vous le donne en 1000. Pétale 05. Celle-là, on va tout de suite la reconstruire là. Oui. Attendez, je me l'ouvre à côté pour voir si on n'a pas oublié les choses. Non, je crois pas. Je crois qu'on est bon. Par contre, on est en CMJ lane. Ça n'a aucun sens. Du ciel là, j'aimais bien. Oh, il y a de nouveau Konnichiwa qui est là. Ya Konnichiwa. Et
Et celui-là, on le met... Ah, est beaucoup trop grand pour une fois, tiens. 1080 par 1920. Alright, la fleur, je pense qu'on la fera dans After. Et peut-être que plus tard, on se fera un rig, rig de visage. Ça peut être pas mal. Ah, on va se récupérer peut-être les fleurs là-dessus, les feuilles. On va se récupérer quelques feuilles là-dessus. Non, c'est honteux de faire ça. Non, c'est honteux. L'appareil. Oh là là, c'est honteux de faire ça. Oh, Jésus-Christ. Attendez, on va garder ça quand même. Ouais, c'est normal, non mais... Ouais. Je suis sûr c'est des trucs d'imprimeur, ça, tu sais. Ils veulent que tout soit aplati. Eh non, faut pas faire ça, tu vois. Hop. Shift M. Voilà. Et ça, on fait quoi? C'était quoi le contour? Contour un peu rouge comme ça? Ok, on a une feuille. Bah ouais, la personne elle est illustratrice, bah oui. Oh, imagine sur Photoshop, non, je préfère pas. Non, je préfère pas. Notre petite deuxième feuille là. Elle avait pas de reflet alors celle-là. Non, ok. Alright. Non mais sérieusement. Je crois que j'ai enlevé trop de trucs. Pour celle-là, là, faut pas qu'on aille trop vite pour celle-là. On t'aura! Ouais, ça on s'en fout. Ouais, ça on veut ça. Qui a suivi la chaîne? Liuba! Hello, Liuba!
Bienvenue, bienvenue. Fais comme chez toi. Bonjour, bonjour, Luba. On va faire une hola, bien sûr. Et pourquoi pas après tout? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah merde. Mais je veux que mon tracé là. Ah putain, c'est un tracé transparent. Autant pour moi, autant pour moi. Comment tu vas, Lyoba? Dis-nous tout sur ta personne. Enfin, pas tout, tu vois, pas tout non plus, mais. Qui es-tu, quoi? Ce genre de truc. Ok, donc là, on a isolé notre contour. Bon, ça suffit en vrai. Le reste, on va le faire à la mano. Numéro de sécu, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah, sinon, à quoi bon? Prenez des notes, les gars. La tangente un peu trop loin ici. Et du coup, là-dessus, c'est l'ombre. C'est une couleur brune. Mon Dieu, mais qui fait ça? Qui fait ça? D'où Jésus? Ok, on a notre troisième feuille. On attend, Luba. Ne te fais pas oublier comme ça. Et on sait que c'est 13, 13 numéros, attention. 13 chiffres. Regardez ça comme ils sont gentils, non mais j'adore ça. Qu'est-ce qu'ils sont gentils. Vous êtes des petits amours quand même. Je tiens à le dire, je tiens à le dire. Ah oui, on fera ça après. 1m90, 31 notes, 95 kg, j'apprends le motion en autodidacte et je t'ai découvert via Insta. Ok! Ça, c'est complet, ça. Trop stylé. Apprendre en autodidacte, ouais, ça, c'est cool. Et du coup, t'as des petites créas déjà de prête sur Insta? Division. J'ai pas lancé d'insta spécial pour ça encore. Ok, je fais ça pour moi. Très bien, très bien. Yo, Nalog! Ça va ou quoi?
Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait plaisir. Et donc, là, j'ai ma feuille. Nickel. Nickel. Ouais, ça va bien. La forme, on va animer une fleur qui se fait pisser dessus, donc au top quoi. Franchement, au top, hein. On ne peut rêver mieux, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est joli, hein. Je l'ai prise sur Envato, c'est pas moi qui ai fait. J'ai prise sur Envato et franchement, elle a une belle gueule, j'aime bien. Elle a une belle gueule. On a isolé pour l'instant sa tête et ses pétales. On rajoutera le contour après dans After Effects. Et là, on se récupère juste des petites feuilles pour. Voilà quoi. Ouais, j'avoue. Ouais, je suis désolé. Tu lui dis à personne. Overlord après, peut-être pas. Peut-être pas besoin d'Overlord pour ça. À voir. Ouais. Vu qu'on aura très peu besoin d'aller dans les tracés et tout. Tu vois, ça, je vais pas m'amuser à la récupérer en tracé ou quoi, tu vois. J'ai même pas eu le temps de me mettre sur le logo de la semaine. Oh, punaise! Bah, t'as encore un jour et demi, là. Un jour et demi, c'est bon. Du coup, le concept, c'est une commande où tu fais ça comme ça. Ouais, punaise, j'ai même pas expliqué. Alors, le concept. Attends, je vais baisser le son dans mes oreilles, là, j'en peux plus. En fait, j'ai une sorte de format sur Instagram, en Reels, où j'anime des punchlines. Yo, Deathfire! Punaise, incroyable! Trop cool! Vous êtes nombreux aujourd'hui, ça fait trop plaisir. J'espère que tu vas bien, Deathfire. Et putain, JP Jean Bert, non, c'est pas vrai. Oh, je vous l'avais dit au tout début. Je vous l'avais dit, s'il passe, ça va être légendaire. Je regarderai. Ouais, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Comme au bon vieux temps. Ça va bien, merci, Despy. Merci. On partageait les bureaux avec JP Jean Bert, donc c'est comme au bon vieux temps au final. Sauf que j'ouvrais moins ma gueule au bureau, quoi. Encore que. Encore que. Je reprends Liuba. Désolé, je me suis perdu. Donc, j'ai un format de Reels sur Insta où j'anime des punchlines. Donc, c'est très court. C'est des formats de genre 5 secondes. Et j'anime des punchlines. Et là, on anime la punchline de Seth Gecko, c'est ça. Seth Gecko attire plus que Bigflo et Oli, faut croire, ouais, j'avoue. Donc on avait animé. Bah attendez, est-ce que je peux. Bah après, si tu m'as découvert via Insta, peut-être que t'as déjà vu le format. Sinon, je le mets vite. Je le mets vite fait. Hop. Profil. Putain, JP Jambert, c'est ouf. Genre ça. J'aime pas les bruits qui courent, je préfère les sons qui marchent, mais dans ma punchline. Les mots, les textes, les punchlines, ça traverse le temps. Parler, rap addiction, je tape ma diction. Donc là, on avait pris Bigflo et Oli, tu vois, et ça tourne en boucle. Donc on a fait courir J'aime pas les bruit, bruits qui courent, je préfère les sons qui marchent, mais dans ma punchline. Et on a fait marcher son. Les mots, les textes. On en avait fait une autre il y a longtemps, c'était en début d'année. Voilà, celle-là, elle est un peu plus crade aussi. Les mots, les textes, ouais, elle est un peu plus crade, les punchlines, ça traverse le temps.
Et du coup, là, on anime une punchline de Seth Gecko. Seth Gecko qui nous dit t'es belle comme une fleur, je te fais une golden shower. Donc voilà, hein. On va faire une fleur qui se fait pisser dessus aujourd'hui. C'est le plan. Incroyable le concept, James. Ah, bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, on a nos petites feuilles. Écoutez, c'est parfait. Elles sont là. On se les met là de côté. Le reste, on n'en a pas besoin. T'es où là, encore au Canada ou bien? Non, je suis. Je garde le chien d'un pote dans le nord de l'Alsace. Et je retourne à Stras demain. Strasbourg City. Jusqu'à la fin du mois d'août. Ah, j'étais rentré du Canada fin juin pour la fête de la musique. Un truc comme ça. Ok, donc on va se mettre aussi nos feuilles dans des calques bien séparés. D'ailleurs, j'avais pas terminé là. Hop. Cercle bleu. Fond rouge. Et là, les feuilles, il y en a quatre. Ah. Arrière-plan, c'est mieux comme ça. Il a de la chance, grave, le toutou. Ouh, le beau toutou. Pardon. Je m'excuse. Ouais, pour ceux peut-être qui savent pas, j'ai fait beaucoup de pet sitting là ces derniers mois. Donc tu vas chez des gens et tu gardes leur chien ou chat pendant que eux ils sont en vacances. Et en fait, tu vis gratuitement chez eux. Ça peut être pendant 2 jours, ça peut être pendant 2 semaines, ça peut être pendant. On avait vu une demande genre pendant un an complet ou 10 mois, je crois, un truc comme ça. C'était assez fat. Il y a une app, ouais, tout à fait, qui s'appelle Trusted House Sitters. On avait payé, je crois, 120 balles pour un an d'inscription. Donc, c'est largement vite rentabilisé.
Nouvelle composition, Main Fleur Pipi. Voilà, comme ça, les noms, ils sont clean. Par contre, c'est en vertical. Et on s'ouvre notre, notre Illustrator. AI. Où est-ce que je l'ai mise? Oh là là. Fleur. Composition. Mais non. Et on a notre fleur. Parfait. Ça, on met dans images. On garde son fichier clean, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. La punchline d'aujourd'hui, c'est... est-ce que je la mettrais pas dans le titre au final? Je sais pas. C'est... t'es belle comme une fleur, je te fais une golden shower. Voilà. Tout bonnement. On va se mettre les pétales en jaune. Visage pistil en rouge. Les feuilles en vert. On est dans la logique hein, ici. Le cercle bleu en cyan, bim. Et le fond rouge en aucun. Ah, elle ne sentira plus la rose celle-là, c'est clair et net. C'est ciao. Et qu'est-ce que... Je voulais juste voir comment elle fait la petite tige là-dedans. Ouais, elle est sympa la tige là. Hop. Comme ça, genre. Et c'est incroyable parce qu'au lieu de faire. Ça arrive tout le temps, putain. Ça m'arrive tout le temps, c'est une catastrophe. Au lieu de faire un calque de forme, j'ai fait un masque sur un calque. Oui! Oui, José. Bravo! Hop! Pas besoin de fond, merci. Par contre, yes, un petit contour comme ça, ça me paraît pas mal. Daysfy qui nous dit, t'as déjà une idée de ce que tu veux obtenir? En gros, ouais. En gros, elle pousserait un peu. Enfin, elle pousserait... complètement, tu vois, en se réveillant. Limite, si avec... Franchement, si avec les pétales, on arrive à simuler qu'elle s'étire. Genre, les pétales, c'est ses bras, tu vois. Ou avec les feuilles. À voir, genre, vraiment, elle se réveille. Et là, c'est la douche froide, tu vois. Là, c'est la douche. La douche de ce liquide... ce liquide corporel jaunâtre. Et du coup, après, elle se... Comme si elle se fanait ou elle décroît pour que ça puisse tourner en boucle après. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt chaud, du coup, malheureusement. Plutôt chaud? Ah ouais, plutôt chaud. Plutôt chaud. On va essayer de faire ça, en tout cas. C'est l'idée de base. Après, on n'est vraiment pas à l'abri que ça évolue. C'est même pas impossible du tout. Hop. La tige, elle va, hop, là derrière les feuilles, en vert foncé. Hein. Et pistil et pétales, celles-là, on peut les précomposer. On appelle ça tête fleur. Et là, sur la tige, on va rajouter un deuxième contour, comme sur les feuilles, là. Hop. Donc, tu peux dupliquer le contour, là. Tu le mets juste plus large.
Hop, la petite pipette. Par contre, elle est un peu épaisse là, je crois. Ouais, elle est un peu épaisse. Largeur. Plus comme ça. Là, comme ça. Et sur le truc de base, on avait un comme une ombre interne. Donc si on fait dans calque, style de calque, ombre interne. On le met en lumière tamisée, tu sais quoi? Ou recouvrir peut-être. Et un peu plus de taille. Ah non, pas de taille. De distance. On la voit pas trop. Hein. Ah, on la voit trop. En fait, elle est de quelle couleur? On va juste prendre la couleur brune là. Yes! Ouais, non, produit, c'était bien. Comme ça, et ouais, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Une petite musique de fond, mais oh punaise, y a pas la musique de fond? Génial, depuis avant, je m'ambiance tout seul. Hop, 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 hop. Merci, Fouda Libre. Mais tu peux mettre ta perso aussi. Hein. N'hésite pas. Où on est? On est là. Donc, bah, on va mettre un raccord des tracés là-dessus. Hein, sur notre petite tige. Dans l'autre sens. Si elle commence. Ouais, elle peut commencer là, tu vois. Hop, et du coup, pour que la position de notre tête de fleur suive le tracé, on va là dans tracé. On copie le tracé et en fait on va le coller là dans position de la fleur et on va déjà mettre notre point d'ancrage au centre. Hop! Oups là, qu'est-ce que je viens de faire? What? Ok. Et donc voilà. Par contre. Elle va dans le mauvais sens. Inverser les images clés. Et donc au début, elle doit être ici. On va se mettre des petits repères. Partir de là, genre. Tu rajoutes ton image clé et t'enlèves les autres. Et tu fais bien gaffe que les images clés soient alignées avec ton raccord des tracés, du coup. Hop. Et tu leur mets une même vélocité d'apparition. Hop. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est clic droit, géométrie, orientation automatique et orienter sur le chemin. T'as la tête à l'envers, la petite. Ah ouais, par contre, la position là, il m'a. Ça ne suit pas du tout le tracé.
se moquerait de moi ou quoi? Yes. Est-ce qu'on s'anime pas un tout petit peu la tige en même temps? Rajouter notre petite feuille. Elles sont placées où, notre feuille? Un peu à l'arrache. Hein. Celle-là. Ah ouais, non mais non. Je peux pas améliorer ça en faisant conserver la taille de... Attendez. Je la réimporte vite fait. Conserver la taille des calques. Ouais. Ah, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Bien à la base de la tige. Hop, voilà. Ok. Maintenant pour... bon, la tête, elle nous saoule. Pour animer les feuilles... Ouais, tu sais quoi, on va pas animer la tige. On fera peut-être à la fin... Un petit marionnette ou un truc comme ça, tout à la fin. Pour l'instant, on reste comme ça. Maintenant, pour animer nos petites feuilles. C'est laquelle, la une d'abord. Hop. Bah, on se met un petit size et une petite rotation. Disons sur 10 frames, ouais. Sur 6 frames, c'est quoi? 1, 2, 3, 1, 2, 3. On met notre rotation de fin. Et hop. Et là, hop. Et on peut mettre une expression avec K-bar. Une expression de bounce. Et on va peut-être se rajouter un petit bandit. Si, si, bandit. Ça, c'est quoi? C'est le start. Hop. Et, ben, tiens, pour Janinski, là. Tu vois, si j'avais pas de calque Illustrator pour ça, si j'avais mis un CC bandit... J'aurais, enfin, si j'avais déplacé le calque de forme de la fleur, le
l'effet bend, il n'aurait pas suivi en fait le calque. Alors que là, il le suit tout le temps. Et on va se mettre une limite de croissance pour ce problème-là. Tu vois, là, j'ai mon bend appliqué. Hop. Si je déplace ma feuille, il suit le bend. Ce qui ne serait pas arrivé avec un calque de forme. Si j'avais utilisé Overlord. Je sais plus où elle était. On va dire qu'elle était là. Attendez. Juste. Du coup, on anime le bend en même temps que la rotation. Là, le bend est à 0. Pardon. Oula. Bend à 0 ici. Ma chanteuse préférée est... est Amel Bend. Oui. Ah, Jésus-Christ. J'adore ce qui se passe. Hop. On met le même bounce et on remet ça comme ça. Je préfère bend l'oncle. Le corbeau qui s'y met, c'est génial. Oh là là, je vais aimer ça. Je vais aimer ce qui va se passer là. On peut même décaler le bend un peu là. Tu vois ce qui se passe là? Ce truc de l'inertie un peu de la feuille, bam bam. On peut peut-être allonger un peu tout ça hein. Si ça semble trop rapide, c'est très grave ce qui se passe hein. Oh là là, oui. Oh, c'est smooth. Oh, j'adore ça. On enregistre. Et j'ai enregistré sur le mauvais nom. Génial. Bon, en même temps, on reprend à chaque fois ce truc-là. Donc, fleur pipi. Hop. À toi, Nathan, d'en trouver une bonne, là. Donc, on a ça. On va faire la même chose pour le reste. Là, c'est sur 10 frames, hop. 5 frames, hop. Trouve un nom. Un boy spent. Ça me rappelle une citation de Daniel Cohn-Bendit. Oui, oui, encore, encore. Ah putain, vous êtes les boss. Hop, on copie la même chose là-dessus. Et le... Je veux pas le dire, du coup. Et là, ça ne marche pas, mais oui, parce que notre bend, il a le start et le end au mauvais endroit. Hop. Bendo ma bendo. Test file est valide. C'est bon ça.
Là, je me demande si... Oups là. La rotation, on devrait pas l'inverser pour celui-là. Genre commencer à 60. Aller jusqu'à moins 30. Et 0. Du coup, inverser le bend, bien sûr. Ouais, c'est mieux. Oh punaise! Est-ce que tu me bannes si je dis bend là? Ça me fuit, il y a quelques temps j'ai fait le même type d'animation de fleurs et maintenant je vois tout ce que j'aurais pu améliorer. Arrête! Stylé! D'ailleurs sur Ben Laden, j'ai raconté ça avant à Morgan. Ça va, c'est pas une dinguerie. Vous savez le truc... le phénomène Barbenheimer, Barbie Oppenheimer. Les Japonais, ils ont pas trop kiffé, tu vois, vu qu'ils ont, ils ont été les premiers, premières victimes de Oppenheimer, tu vois, de, enfin de son. J'ai pas vu les films, donc si vous me dites des dingueries, vous me dites. Si je dis des dingueries, vous me dites. Mais ouais, globalement, les Japonais étant les premières victimes de la création, on va dire, de Oppenheimer, ils étaient pas trop chauds qu'on fasse des rapprochements avec Barbie et qu'on glamorifie un peu les horreurs de la bombe nucléaire, tu vois. Du coup, en retour, ils ont fait des montages en remplaçant, tu sais, dans Barbenheimer, ils ont remplacé Oppenheimer par Ben Laden. Et ils ont fait des montages aussi avec les tours jumelles et tout pour leur montrer que ouais bah c'est pas cool de banaliser un peu les horreurs du bonhomme, tu vois. Voilà, pour rebondir sur Ben Laden. Tu fais un marathon, Lewin et Ben Laden. Les Winks. Ouais, c'est ça. Ah non, le film il glorifie pas, ouais j'imagine bien. Mais c'est juste que, tu sais, les montages où t'as, Oppenheimer qui porte Barbie sur ses épaules ou des choses comme ça. Où ils font une explosion toute rose ou je sais pas quoi, tu vois. Ce genre de truc. Hop, on fait pareil ici. Donc, on va plutôt copier celle-là. Ah non, pas sur celle-là, pardon. Sur celle-là. La feuille numéro 3. Et notre petit bend. Et du coup, pareil, on modifie bien le start et le end. Ouais, là, faut l'inverser. Yes. Barbenheimer, c'est ça. C'est surtout qu'ils n'ont pas aimé que le compte Twitter de Marvel Barbie réponde à la hype de... Ah, c'est peut-être ça aussi. J'avoue, il y a peut-être un délire là-dessus aussi. Alright. En même temps, Twitter, c'est les... Franchement, c'est un nid à emmerde, ce truc. Enfin, X. Laisse tomber. Mais du coup, c'est terrible, car les Japonais, ils se sont dit... Ah, si on fait pareil avec le septembre, ils vont être trop deg. Alors, c'est devenu... Un ressort comique, malgré lui, même si les Américains, le 11 septembre, donc les Américains, juste ça les a... Ah, ça les a fait rire, au final, les Américains. Je croyais qu'ils s'étaient calmés, du coup. Ouais, ça fait trop bizarre de dire X, hein. En vrai, ça fait trop bizarre. T'as vu sur X ce qui se passe et tout? Ça fait bizarre, ça fait bizarre.
notre band ici. Hop. Hop. Coolos. Ah oui, ils sont unleashed, oui, voilà, c'est ça. Ok, ok. Petit contour avec le style de calque. Contour comme ça, de cette couleur. Yes. On va animer les pétales. Globalement, ça va être à peu près la même chose que ce qu'on a fait pour les feuilles. Ah ouais, non mais pareil, les pétales... J'aurais dû les prendre dans fleur 2, là. Voilà. Ok. Vous êtes sur Twitter, vous ? Sur X ? Pardon. JP, il avait fait un petit buzz à un moment sur Twitter, là, avec... avec je sais plus quelle musique, là. JP, rafraîchis-nous la mémoire, si t'es encore parmi nous. This is America, voilà, c'est ça. Où t'avais traqué genre comme un quelque nul de rig. T'as pas le tweet là sous la main? Mets-nous-le dans le chat si tu l'as. Je vais le chercher, vas-y. Je passe beaucoup trop de temps malgré le fait que ce chien d'Elon Musk détruit tout ce qu'il touche. Ah ouais, donc toi, t'es quand même pas mal sur la plateforme. Ouais, bah... C'est... Ouais. J'ai pas trop d'avis là-dessus. J'attends de voir, en fait. Depuis 2009, ah ouais... Tu peux voir depuis quand il est sur ton profil. Attends, je vais voir. Parce que je crois que je me suis inscrit hyper tôt aussi. Mais j'ai jamais... Mets-moi juste mon profil, s'il te plaît, frérot. Oh là là. Ouais, ben je vais aller dessus. Je peux pas aller sur mon profil, du coup. Ah voilà. C'est écrit sur le profil. Ah, octobre 2012. Pas mal. Attendez, on va sur le tweet de JP. Attention. Merde, pourquoi il me le met à côté, cet idiot? Ah oh, punaise, c'est génial. Attendez. Ah bah le corbio. Merci d'être passé et d'avoir fait ces jeux de mots de qualité, bordel. à bientôt le corbio, passe un bon week-end.
Ah punaise, mais j'y vais pas sur Twitter, donc ouais, mode clair quoi. C'était en 2018 ça? Putain, yes. Ça date, hein, 5 ans. Bordel. 22 000 j'aime au calme. Shout out to Duduf. Ah, elle a fait les choses bien, le saligo. Ok, c'est reparti. Où est-ce qu'on est? On est là. Merde. 100% là. Alors ça dit quoi? T'étais parti, Janinski? Attends, attends, je te montre ça. On en est là pour l'instant. On a animé les feuilles. Ça ressemble à quelque chose comme ta barre, mais quel salopard celui-là! T'as fait ta groupie sur un site de fringues. Super. J'espère que ce n'est pas AliExpress. On en est là. Peko, collab avec Frank Carter. Alright. Quel fashion victime celui-là. Ça prend vite forme, ouais, ça prend vite forme. Par contre, je suis pas convaincu par. Je pense. Qu'est-ce que ça dit si je lisse la vitesse comme ça? Ouais, plutôt comme ça, hein, la vitesse. Hop, on fait la même pour les autres. Où est-ce qu'il m'a mis le point d'ancrage maintenant, cet idiotin? Non mais, fais des dingueries. Même le point d'ancrage, on peut le rentrer un peu, hein, comme ça. Copie-colle et on décale dans le temps. On va peut-être mettre le visage et pistil par-dessus. Peut-être que même les. Peut-être que les pétales commenceraient qu'à pousser ici, genre. À une seconde. Ce serait une tête chauve en attendant. Whip. Œuf. Tête d'œuf. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'elle va trop à droite là, mais bon, tant pis. Tant pis. Ton anime me fait un effet.
putain, c'est génial. Continue comme ça, j'adore. J'adore ça. Ce qu'on va faire. Encore. On va faire ce petit tas d'herbe là. De terre. Et là, un peu comme ce petit truc là. Mais sauf dans la terre ici, tu vois. Pour voir ce que ça donne. Pour qu'elle vienne de quelque part, la fleur, tu vois. Pas que. Ça fait un peu. Elle vient de nulle part pour l'instant. Herbe différente de terre. Hein. J'ai dit quoi? J'ai dit de la merde? Ça m'étonnerait pas. Non, pas d'AVC. Pas d'AVC, promis. Donc, on se met notre petite terre comme ça, tu vois. On copie-colle la couleur de notre fichier Illustrator, bien sûr. Hop. Le contour, le même que partout. Terre. On met tout en dessous. Ouais, Nathan est calme aujourd'hui. Hein. Bon, il a quand même craché sur Elon Musk. Donc on a notre petit coup de gueule de la journée quand même. Mais sinon, c'est assez calme. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Elle est où ma commu délétère, la bordel? Et là... Et là, on fait comme sur le truc d'origine, c'était un peu comme ça. Un truc comme ça, tu vois. Mais en plein et pas en contour. Ah, c'est catastrophique. Catastrophique ce qui se passe ici. On dirait que ça pousse d'un nombril, non? Est-ce que c'est si gênant? En fait, ouais, ce... Nickel la réputation. Ici, là, c'est plus pointu, en fait. Un peu plus... comme ça, genre. Pourquoi tu l'as où, cette réputation, déjà, Nathan? Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Fou d'alibri, mais juste grave. Ça ressemble à un nombril, grave. J'étais sur Illustrator et Blender à tenter des trucs avec des serpents, mais j'ai pas mon espace de travail habituel. J'ai rien du tout sur ce PC portable, donc je vais abandonner. N'abandonne pas, Nathan, non, fais pas ça.
En fait, c'est pas aussi abusé que ce que je viens de faire là. J'ai un peu trop abusé. Là, c'est un peu plus doux en fait ici. Comme ça, tu vois. Bosser sans add-on, non mais vraiment qualité. Ouais. Non mais une fois en plus que t'es habitué à un truc... Ça me fait trop penser à la chanson d'Orelsan, Suicide Social. Où il dit... Je sais plus ce qu'il dit. Il dit... Attends. Suicide Social, Genius... Orelsan change une fonction dans leur logiciel, un truc comme ça. Ils se mettent au chômage technique, je crois qu'il dit un truc comme ça. Change une fonction dans leur logiciel, ils se mettent au chômage technique. Ouais, c'est ça. Ah là, Nathan. Chômage technique. Abandon. Après, il y a des petites ombres là. Ces petites ombres, elles sont pas mal. Hop. Juste trop. Et l'ombre est de cette couleur. Et là, on peut faire genre... Ah, par contre, l'ombre va se mettre tout derrière aussi, effectivement. On peut faire genre l'ombre de la tige qui part, tu vois. D'un côté l'ombre par contre, si je me souviens bien, donc ça dégage. Pas mal. Le jour où Overlord ne fonctionne plus, j'arrêterai le motion et je vendrai des 128. Le chômage technique qui dure, ah merde, non. C'est quoi? C'est pourquoi ton truc de serpent, c'est un projet perso? Ouais, Overlord, ça sauve quand même des fesses. Ouais, je suis assez d'accord. Et c'est quoi? On va se rajouter une petite ombre. Ici. Cela il dégage. Hop. Je voulais essayer de faire comme vous les cool kids. Je voulais tenter un logo. Ah, trop bien. Tu voulais tenter aussi, trop stylé. Je ferai ça une fois rentré à Strasbourg. Si une autre bataille m'inspire, mais ouais, grave. Ah oui, c'est vrai que là, t'es chez la famille. Chez la famille lilloise. Hop. Soit plus loin en fait. Faut qu'il soit vers là, genre. Les cool kids.
fais comme si j'avais pas lu ce message. On ne l'a pas vu. On ne lit pas le chat. On n'a pas vu ce qui se passait là, dans le chat. En plus, il intègre Nathan dans sa bataille, quoi. Mais quel petit bras! En plus, il est pas à Lille. Il est juste dans le nord. Écoute, je donnerai mon avis une fois que j'aurai vu. Je ne crois pas tant que je ne vois pas. On verra, on verra. Cette ombre là, je pense que ça donne un peu de profondeur, mais là, elle est pas assez épaisse, je pense. Ou alors, putain, je perds beaucoup trop de temps sur ce détail de merde. C'est catastrophe ça. Juste comme ça en fait. Juste un truc comme ça. Allez, on part là-dessus. Bon. On a notre petit œuf qui pousse. C'est pas mal pour l'instant. Maintenant, on va juste essayer de faire notre petit fluide corporel. À 37 degrés. Hop. Et système de particules. Hein. On n'a pas particulière ici. Yes! Le seul truc où Strasse met une vitesse à Lille, c'est la cathédrale. Mais bon, après, c'est que de la pierre. On s'en fout un peu. On s'en fout de la pierre? Ouais, j'avoue, s'en fout. Non, mais elle est magnifique, la cathédrale. Ça, c'est une dinguerie. Respect au gré des Vosges, voilà, Desfai, c'est ça qu'on veut. Bien sûr, t'es Vosgien aussi. Je me souviens plus si on avait déjà parlé, punaise, je suis horrible. Faded Sphere? Non, pas Faded Sphere. Bubbles? Non, pas trop Bubbles. Juste Shaded, en fait. Avec un petit remplir. En fait, maximum opacity 100%. Opacity map constant. Voilà. Et color map, non, color map origin to death, non, origin constant. Du coup on l'a plus. Allez, birth to death. Et il n'y a pas size variation. Ouais, ça a la limite, on peut mettre 100%. Il n'y a que les Alsaciens et les Clermontois qui aiment qu'on parle mal d'une cathédrale. Qui n'aiment pas qu'on parle mal d'une cathédrale.
Ah, Clermont-Ferrand, j'avoue, elle est magnifique aussi, la cathédrale. Strasse aussi. Mais non, non, mais attends, Desfay, t'es sérieux là? Strasbourgeois, mais ça défonce. Faut venir aux apéro motion des fois. Hop là, placement produit. Ça me rappelle quand on était au marché de Noël de Strasse et que tu t'amusais à demander à des gens où est la cathédrale. Oh punaise, ouais, ça c'était génial. Mais je prenais mon meilleur accent anglais, genre. Enfin, l'anglais qui essaye de parler français. Bon, bonjour. You know the big église? La grande église. Vous savez la grande église? Où est église? Et les gens, ils étaient mais tellement contents de me dire, mais vous êtes devant, monsieur, regardez, c'est juste là, monsieur. Yep, mais le dernier en mai, j'étais pas là. Ah, ok. J'attends le suivant. Trop stylé. Donc, t'es déjà venu, en fait, quelquefois. C'est la Perro Motion Design qui sauve Strasse. Hein. Si, bah, c'est justement Janiansky qui a lancé la Perro Motion Like à Lille parce qu'il a pas de. Il peut pas avoir des idées tout seul, quoi. Le frérot, il copie, quoi. Il va me défoncer. Tu sais très bien que je n'en pense pas un mot. Birth size, death size, voilà. Là, ils ont la même taille pendant toute leur vie. Jamais venu au camp. Ok. Bah écoute, on t'attend, Death Fire. Copier mais pas égaler les Lillois, c'est juste des Alsaciens, au moins bien. Et voilà l'ambiance délétère qu'on cherchait, elle est là. Elle est juste là en fait. Bon, shaded sphère. Il n'y a pas juste sphère normale, bon Dieu. Ou alors c'est dans. Déjà longévité, une seconde. Et producer. Punaise, à chaque fois c'est une catastrophe hein, de s'en sortir avec les particules là. Ah voilà, un truc comme ça, tu vois. Épisode 1 en octobre, si tout va bien. Ok. Ça qui est bon, ça. Je vois que ça se prépare, ça. La plus belle région. La plus belle région où il pleut tout le temps. Burst ou origine. Origine constant, voilà. Ah, du coup, il me prend. Je pense qu'il me prend la couleur du solide. Si je change la couleur là. Voilà, il me prend la couleur du solide. Ok. Alright. Par contre. Maintenant, il faut arrêter de. Il faut arrêter ces. Ah! Ok. Bon, c'est pas plus mal. Sort du truc,
que c'est mort, genre. Et si on le met un peu vers là, et on essaye qu'il y ait un peu de physique, tu vois, ouais, physique, gravité, ouais, d'accord. Non. Et un bend, ça marche pas là-dessus. Et je vais pas vous entendre dans le chat. Qui commence là, qui finit là. Au moins le sol est pas sec. Aucun souci de nappe phréatique dans le nord. Ça critiquera moins quand ce sera le seul endroit où venir pour avoir la mer sans crabe. Il y a un peu de vérité là-dedans. Ah oui! Ok. Attends. Et est-ce qu'il faut plus de birth rate? Peut-être, hein? 10?
Et on anime le birth rate, bien sûr. De 0 à pendant une seconde, enfin de 10 à 0. Et là, d'un coup, il faudrait juste la petite goutte, tu vois. Et de nouveau 0. Oups, je voulais faire ça et on voit toujours pas ton truc. Franchement, on est pas mal logé. Il fait que pleuvoir en ce moment. En ce moment, il fait que pleuvoir. Ça fait pas réaliste. Parce que ça met trop de temps là à descendre. Après, on peut mettre des images clés sur la position du producer. Hop. Et avant, il est hors champ, quoi. Ah, c'est un cœur avec les mains, d'accord. Bon, ça va alors. Ouais, par contre, niveau mer, on est un peu nul. Niveau mer, on est un peu nul. Ce serait pas la vélocité qu'il faut, peut-être la gravité. Ça descend plus vite. Et du coup, la longévité en seconde qui descend. À 0,8. C'est oui. C'est génial. Bon, moi je me plains pas, j'ai la piscine d'eau de pierre à côté de chez moi s'il fait trop chaud, mais ouais, la mer c'est cool. Ah ouais, le mec il a la piscine à côté, punaise. Moi j'ai la gare à côté, génial quoi. D'ailleurs, je pense que... Ouais, si, c'est bon. Je me demande s'il faut pas mettre, tu vois, sur la fleur, si on se met, on met un calque mouillé, ok? On met un petit bruit fractal dessus. Comme ça? Des tourbillons? Non, peut-être pas des tourbillons. Oh, remarque. Le tourbillon, ça peut être pas mal. Attends, il faut que je modère un message de Nathan. Non mais on est où? Autorisé bien sûr. J'ai pas envie de googler ce que tu nous as mis là. J'ai peur un peu. J'ai un peu peur. Tu vois, on fait ça. Et on le met en cache de la fleur. Et on le met en mode écran. Non, c'est l'autre. En mode produit. Ah merde, on a le fond là. Le fond. Attends. Le fond, on le met en quelques repères ici et on le met là seulement. Pareil pour le... Oh là là, mais
quelle catastrophe. Le cercle bleu, pas besoin ici, non. Comme ça, on a ça sur la fleur. Et si on le met en lumière douce? Non. Non, non, il faut produire. Hein. Pas obscurcir, produit. Et à faible opacité. Le plus drôle, c'est que c'est pas le mot peace qui bloque, je pense. Non, je pense pas. Hein. Ça fait répétition, voilà. Non, mais on a un homme de lettres avec nous. On a un homme de lettres. Faut que je me recale là. Je pense que c'est pas le bon effet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rocheux. Ah, rocheux. Elle est où la transformation? Puis on peut rajouter du contraste. De toute façon, on va animer la luminosité. Quand elle se fait pisser dessus. À partir de quand ça la touche? De là. Et là, on diminue la luminosité. Et on met un petit time sur l'évolution. Qu'est-ce qu'on en pense? Si on fait calculer ça. Pareil, je pense que notre terre et notre ombre, ça va aller là-dedans. Je sais pas si ça le fait, si ça fait bien, mais. Bof, bof, hein. Bof. Bof, 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 bof. C'est non. Tant pis, tant pis. Bah là, tiens, quand elle pousse, du coup, notre fleur, là, on peut lui mettre un peu des... Des petites animations dessus, en marionnette. D'ailleurs, l'état final est là. À partir d'ici. Oh punaise, ça défonce tout. Oh, je déteste quand ça fait ça, bordel. Ah, oh, comme c'est chiant la marionnette, quoi.
On va mettre un Bendit. Un bon vieux Bendit. Elle est vers là, forcément elle penche un peu de ce côté, tu vois. Là elle penchait de l'autre côté. Et là elle penche plus, quoi. Est-ce que si on met le petit bounce à la fin, ça change quelque chose? Pas mal, non? N'oublie pas de rajouter 2-3 dernières petites gouttes sur la fin avec un peu de délai. Elles sont déjà les petites gouttes de fin. Elles sont là, regarde, attends. Hop, là ça coupe. Et hop, voilà. Hop. C'est indispensable. C'est indispensable. Il y a un décalage voix. Ah merde, sérieux. Mince. D'ailleurs là c'est peut-être un peu trop. Faudrait vraiment quelques gouttes, quoi. Je pense qu'à partir de là, la vélocité. Non, pas la vélocité, mais non, le burst rate il doit pas être à 10, il doit être à 2 peut-être. Même un genre. Et on rapproche ça. Voilà. Dans une optique de réalisme, bien sûr. Tout ça, c'est pour servir le rendu final, hein, bien évidemment. Ah, je kiffe. Franchement, ça rend bien, non? Ah, génial, quoi. Faudra peut-être lui riguer le visage, du coup, pour qu'elle soit pas contente, là. Mais après, on est bon. Là, on va peut-être, à partir de là, on va peut-être faire un légère animation de d'échelle, comme si tu vois, on sentait qu'elle se prenait des trucs sur la gueule, tu vois, lui riguer le visage. Ouais, j'ai dit quoi? Mais j'ai trompé. Et donc là, on l'écrase un peu. 95%. Fur, putain, Julien. Continue, s'il te plaît. Continue, j'adore ça. Lui irriguer. Ah, I see what you did there. Lui irriguer. Yes, ben, c'est validé, bien sûr. Non, on n'a pas encore 40 ans. Bientôt, pas encore. Même c'est trop, tu vois, faudrait peut-être 98%. 99 ici. Et genre vraiment rapproché, quoi. Deux frames, ça suffit. Ouais. T'as vu ça? Ce qui nous sort, Fouda Libre, là. C'est qualitatif, hein.
Ok. Et du coup, juste là encore. Est-ce qu'on jouerait pas encore avec le bend là? Un tout petit peu, tu vois. Genre moins 5. Et là, 5 du coup. Zéro. Un peu trop là. Moins 1, tu sais quoi? Moins 1 et 1. Je pense que ça suffit. Vu qu'elle est très très longiligne. C'est vrai que des petites valeurs, ça devrait suffire, quoi. Mais oui, moi j'ai l'impression qu'elle est dans un nombril, s'il te plaît. Ouais, c'est pas mal ça. On va peut-être même décaler un tout petit peu ça. J'aime bien ce qui se passe. Yeah! On enregistre. Mais je me demande comment ils ont fait la terre. Ouais, bah c'est à peu près ça, quoi, ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'il faudrait que... Attends, je sais ce qui peut nous sauver. Ça. Je pense comme ça, ça se sauve là. C'est le cas si vous avez trop votre boudinette, une fleur va pousser. C'est pour ça qu'il faut pas trop se laver. Non, non, il faut se calmer sur les douches, les gars. L'environnement. L'environnement, on nous en parle assez. Hein. Du coup, moi j'ai arrêté les douches là. J'ai arrêté de boire de l'eau aussi. Je pense que je vais bientôt décéder en fait. Mais c'est pour vous sauver tous. Comment tu choisis le sens de tes ombres en règle générale? Ben là, je suis un peu tributaire de l'illustration de base. Donc on voit que ben vu que c'est un tournesol, là, je pense, elle fait face au soleil, donc le soleil vient de gauche. Donc même mes ombres de tiges là, elles sont fausses. Elles sont complètement fausses. Bien vu, Despy. Hop, on va dans le style de calque. Ombre interne. Elle devrait être plus comme ça. Un truc comme ça. Il y a trop de compes ouvertes là, je m'en sors plus. Ok. Mais en général, vu que je fais très peu d'illustrations, je gère pas les ombres. Simplement. Comme ça, pas de problème, tu vois. Là, je pense qu'elle est fausse aussi, cette ombre. Du coup, elle devrait être plus vers là, tu vois.
Ça va faire que José le lise sans se poser de questions, car normalement, quand je dis ça en dehors du Nord, les gens pètent les câbles. J'avoue que j'ai lu ça comme si c'était... comme si c'était acquis, genre. Faut faire toutes ces illus comme s'il était midi, pas de problème de sens pour les ondes. Uniquement si t'habites à l'équateur, alors. Ouais, bah t'as bien fait de pointer ça. T'as bien fait de pointer ça. Pour l'instant, je trouve que c'est pas mal. Hein. Faut juste lui irriguer la tête, quoi. Lui irriguer. Qu'est-ce qu'on en pense? Ok, alors pour ça... C'est quoi ça? C'est un visage un peu kawaii, non? Si on va dans expression... Visage kawaii. C'est un peu ça, quoi. On va recopier hein, des trucs comme ça. Ah, et Gao un peu. Pas mal, le jeune est très réaliste pour une expression de kiff ou de dégoût. Tu es parti sur quoi? Plutôt dégoût. C'était plutôt dégoût de base. Genre celle-là, là. Merde, vous la voyez pas trop. Punaise. Attends. Oh là, je fais que des conneries. Oh, Jésus-Christ. Mais... Prends-moi le côté. Bon. Oh. Faut vraiment que je fasse une scène où je touche plus jamais à mes fenêtres de chrome là, parce que c'est une catastrophe à chaque fois. Ouais. Plutôt celle-là là en bas. La deuxième en partant de la gauche tout en bas. Un truc comme ça, ça peut être pas mal. Cherche pas. Oh putain, et heureusement que tu me dis ça. J'ai failli taper, je te jure. Donc ouais, peut-être un truc comme ça. Et juste avant que ça arrive sur elle. Et après peut-être un visage où elle pleure, hein, tu sais quoi. Un visage où elle pleure comme ça. À voir. C'est intéressant comme réflexion. Est-ce que du coup les illustrateurs en Antarctique font des dessins en mode full nuit? Attends, parce qu'il avait dit quoi, Nathan, comme bêtise encore? Épingler ce message. Non! Putain, qu'est-ce que je fais? Retirer ce message, épingler. Je fais n'importe quoi, les gars. Ils ont aussi quelques mots, ils n'ont pas de... Ouais. Et... Blin. Comment tu vas, me 68? On va
va s'enregistrer cette image tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Victor ! Écoute la forme, hein, comme tu peux le voir. J'enregistre juste cette image vite fait et je vous montre où on en est. Si vous voulez bien. Ref Kawaii. Ok. After. On en est là. J'enregistre. T'es belle comme une fleur, je te fais une golden shower. Mignon. Eh oui, le pips. Effectivement. La fin, c'est moins mignon. Ouais. Et là, du coup, on cherchait des refs de visage un peu kawaii pour lui donner différentes expressions à cette petite fleur, parce que là, elle est trop contente tout le temps. Et je pense que là, ce qu'il nous reste à faire globalement, ouais, lui riguer le visage, à voir si on fait un rig ou si on fait des cuts, tout simplement, entre les différentes expressions. Pourquoi pas, oui, il faudra le faire, de toute manière, lui faire perdre ses pétales, donc les pétales tombent, et voilà, globalement. Ouais, là, elle n'est pas surprise. Pour l'instant. Ouais, chacun, après, si elle kiffe, effectivement, on ne kink-shame pas ici. Hein. On est dans l'acceptation d'autrui. S'il vous plaît. On a accepté que Julien venait de Lille. Voilà, il est intégré désormais. On peut appeler William désormais. On va appeler William désormais. Non, je déconne. Ah, t'as vu le nom du calque. C'est son kink de venir de lui. Ok, bah on va s'importer notre petite trèfle. On va aller dans la comp fleur et tête fleur. Comme ceci. Mais oui, t'as vu Victor, il y a JP Jambert, bordel de merde. Il est là, il est avec nous, en direct. Elle est sur un nombril. Non, punaise. C'est vrai que ça fait nombril. Et avant, c'était pire encore. Parce que j'avais vraiment ça comme ça, quoi. Ça faisait nombril ou ça faisait crâne. Mais du coup, non, c'est de la terre. C'est pour ça qu'il vient irriguer, tu vois. Irriguer, Fouda Libre. Yes. Le thème m'a intéressé. Ah, mais si, il faut le dire, Nathan. Mais on rajoutera peut-être des ombres à la fin encore. Quand c'est que tu... d'ailleurs... Ouais, non, c'est bon. Est-ce qu'on se les ferait pas plutôt sur Illus les visages? J'aurais moins de peine. On va faire ça. Bonjour, caca.
comme ça on aura la bonne taille. Et on se réimporte notre modèle. Donc on a notre ami content là. Limite la bouche elle est comme as. Ah oh, ça me rend fou ça. Ah oh, ça me rend fou. Et là hop on lui rentre aussi un peu comme ça. Le boudinette, c'est devenu un banword. Non, c'est pas vrai. Comme quand on dit d'arrêter de dire à pied de chaussette, alors que c'est vachement plus fun que le tout fade, je suis en chaussette. À pied de chaussette. Enfin. À pied de chaussette. Jésus-Christ. Ouais, t'es chelou. Ah, ça c'est ses dents, ok. Ouais, limite juste comme ça. Ouais, juste comme ça, c'est bien. Oh, putain, mais c'est une catastrophe de faire des illus comme ça, j'en peux plus. Tout est aplati, tout... Oh là là. C'est pas humain de faire ça. Hop, le petit... Les petites joues choquées, là. Et d'ailleurs, plutôt regarder vers nous quoi. Excusez-moi de vouloir faire en sorte que le monde entier passe une vie agréable et rigolote sur cette planète. Je suis trop hédoniste pour la communauté. Pour le coup, c'est vrai que apporter un peu de gaieté par ce vocabulaire fruité, c'est pas mal, tu vois ce que je veux dire. On peut pas t'en vouloir. Mais ouais, les 40 points au centimètre carré d'Esfai, t'as vu ça? On se fout de nous, là. Illustrateur, là. Ok, on a cette expression là. Passer la toile, ouais, je sais pas ce que c'est non plus. Passer la toile. Laver le sol, passer la serpillière. Ah ouais, d'accord. Les Suisses, ils disent passer la seille. Non. Je sais plus ce qu'ils disent. Non, la seille, c'est la bassine. Passer la panos.
Un fruitalé, non. Non, fruitalé, je l'ai pas. Je vais tricher. Meurtrieux. Un fruit meurtri. Est-ce que notre fleur, elle est talée un peu, là, elle est un peu meurtrie. Tancarville ou étendoir à linge, plutôt étendoir à linge, ouais. Plutôt étendoir. La vasingue. Oh, vous me rendez fou. Vasingue. Une serpillère, c'est une vasingue. C'est pas vrai. Étendoir, mais ouais, non mais attends. Tancarville, oh non, Julien et Nathan qui disent Tancarville. Non. D'où Jésus. Donc, elle a peur, elle est contente, tu vois. Elle a peur. Et elle pleure. Ouais, après elle a perdu ses feuilles, donc elle pleure quoi. Ok, donc ce serait ça. Est-ce que pour pleurer, on mettrait pas la bouche là à l'envers? Avec les dents, bien sûr, comme il faut et tout, tu vois. Mais... c'est dans le nord. Vous me régalez à être actif comme ça, franchement c'est un plaisir de streamer comme ça là. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand vous parlez entre vous, c'est trop kiffant.
visage choqué. Et là, juste pour celui-là. Ouais, ouais, non, c'est bon. Hop. Et je vous ramène sur After. Visage, pleurs. On n'a plus besoin de toi. Du coup, niveau timing. À partir de là, elle a peur. Plutôt choqué, plutôt choqué là. Et à partir de là, elle est en pleurs, je pense. Bim, bim, bim. Ah, les yeux sont pas centrés là, au niveau de la bouche. Qu'est-ce que t'as fait, José? Ouais, normalement Kevin il est en train de préparer nos stickers apéro là. Et du coup, pour les pleurs, hop, on va juste faire un trait. Regarde bien ça. Bim. Avec un contour. On va prendre le même bleu que ce qu'on avait sur le ciel. Hop. On le met sous le visage, bien sûr. Et on va juste mettre un ondulation. Je sais jamais si c'est ondulation ou si c'est onde. Je crois que c'est onde du coup. Onde progressive. À 0 degré. Yes! 5 d'amplitude. Hop là, qu'est-ce que je fais? 5 d'amplitude. Ah, ça suffit. Et là, la larme, on va la finir en biseau, en fait. Hop, biseau. C'est l'autre côté, très bien. Et l'ondulation à moins 1 de vitesse. Pas mal ça. Hop, on duplique. Et là, on va juste changer la phase un peu. Fait de la peine. Elle me fait vraiment de la peine. Et ça quoi? Ok. Donc à partir de là, on va se faire tomber les feuilles. Plus... Enfin, pas les feuilles. Je sais pas si je vais faire une boucle au final. Peut-être pas besoin.
on va faire s'échapper les pétales plutôt que les feuilles. Position, échelle et rotation. Merde. Là, on lui met un peu une forme de position un peu. Je pense que je tiens. Et limite, on va faire géométrie orientation automatique sur le chemin. Mais pourquoi la rotation il me les garde pas? Comme ça. La courbe est un peu trop vénère peut-être. Peut-être faire comme ça. Pour l'instant c'est pas... C'est pas confirmé. Il m'a juste dit ça en idée avant de partir en vacances. Ce sera confirmé en septembre. Il faut que je me fasse une offre propre aussi, parce que c'est la première fois du coup que je vends vraiment un logo.
plus tout le délire live derrière, je sais pas si justement je fais un rabais, si ça se vend dans la Presta ou pas. Que des trucs à préciser de mon côté aussi. Et si tu peux éviter Nathan, ouais, c'est grave. Non, en vrai, faut que ça reste aussi vrai que quand on est ensemble sur des projets un peu gaulerie, tu vois. Faut que ça reste la même ambiance, justement, je pense. Hop. Remis la rotation ici. Arrête désormais, ou j'appelle William désormais. C'est comme ça que ça va se terminer. D'ailleurs, Nathan, t'as des news de William désormais? Désormais? Ou toujours pas? Ça dox. Putain, je suis vieux, ça y est. Hello? Ça y est. Mais on l'adore, Willou. Orienté sur le chemin, ok, c'est bon. Franchement, on le kiffe, William. Ouais, il m'arrête pour de nouveau m'oublier. Message d'après. William. William Crane. Un Chanel Blender non autre stack des apéros, il m'a mis deux manches dedans. Je viens de discuter avec lui. Ah punaise le salopard. J'y vais, des bisous, les petites boudinettes. Merci Julien d'être passé comme d'hab. Franchement, on rigole bien. Merci d'être passé, c'est trop cool. Ça fait plaisir. Et puis à bientôt Julien. Le Motion Tober arrive à grands pas. Plus qu'une petite pétale. Et on est bon. On fire, for sure. Ouais, de fait. D'où elle vient cette position là? On veut pas. Hop, et du coup, géométrie, orientation automatique sur le chemin. Et on recale nos positions correctement. Nos rotations.
franchement. Je pense même que c'est trop long pour la punchline, tu vois. Faudrait que je cale bien le truc. J'aime bien. Je vais juste dans la tête rajouter une légère animation de position à chaque fois sur les... pour ajouter un peu de fluidité. Genre déjà, faut qu'à chaque fois soit bien aligné. Comme ça, et on va juste rajouter une animation de position très légère à chaque fois, et on va caler le cut des expressions à chaque fois au pic de vitesse entre ces deux clés de position. Je sais pas si ça a du sens ce que je suis en train de dire. Donc là, hop, elle regarde par là, et là je lisse les deux vitesses et mon cut il se fait pile au milieu. Ça rajoute un peu de fluidité. Et là, bim, elle est triste, tu vois. Je crois qu'on a terminé. Et là, juste le cercle bleu, il est pas hyper centré. Voilà. Ça charge. Et si on se rajoutait... Alors, je vais de nouveau reprendre dans fleur de mon cercle bleu. Juste une petite animation d'échelle sur le cercle bleu, tu vois. Juste pour voir. Volt, c'est une punchline. Punchline à lui tout seul. Ouais. J'aime bien. Et on va du coup rajouter un peu de texture dans notre nombril là, dans notre crâne. Je sais pas comment on va faire ça, mais genre juste rajouter des petites pointes.
Je sais pas si ça aide. Hein. Mais ça rajoute un petit truc sur le bas. Une dernière petite prévisu et je pense qu'on est bon. On va laisser peser. On va laisser peser, chaud. On a terminé, hein? On a terminé, moi, ce week-end. J'essaye de finir le montage final là, avec moi qui pose le casque sur le téléphone, genre. Et je poste ça soit début de semaine, soit ce week-end. Donc, je pense que ça va être ce week-end à voir. C'est des tatouages tripots. Happiness. Non. Attends, mais d'ailleurs, ce serait pas que d'un côté l'ombre au final. Celui-là, il sert peut-être à rien. Jésus-Christ. Ah, c'est des vergetures. Sur le nombril ou sur le crâne, du coup? Est-ce que c'est possible d'avoir des vergetures sur le crâne? La plante est devenue Krilin, oui! Elle est morte comme lui. Tu ferais pas encore juste un changement de couleur au niveau de la face pour arriver sur un verdâtre? Ouais, tu penses? On peut essayer. Tête, fleur. On a notre pistil ici. Si on met une teinte. Ouais. À partir de là, genre. Jusqu'à ce qu'elle pleure. 25. Je sais pas, je voulais faire... Attends, je te montre. Je suis pas illustrateur, moi. Arrêtez. Je voulais faire ça, tu vois. Mais faire genre comme si c'était un monticule de terre. Mais là-dessus, ça marche mieux que chez moi. Je suis triste. C'était juste pour, je sais pas, donner un peu de volume au truc de terre, mais apparemment, ça marche pas trop. Et si, bah, du coup, je mets à la place de ce brun-là, je mets notre couleur caca là, à la place. Est-ce que ça marche mieux? On va essayer. Et du coup, les ombres, elles sont de cette couleur. Oups. Non, c'est pas là. C'est là. Comme ça. Merde, il nous manque. Elle est où cette ombre là? Ah, je crois qu'elle est en fleur. Ombre là. Hop. C'est mieux comme ça? On dirait pas que c'est de la même couleur. Et pourtant.
Mais oui, c'est censé être un sol, Victor. Est-ce que là, ça fait mieux? Est-ce que... Mais allez, adapte-toi. Est-ce que c'est un peu mieux comme ceci? Un rouge foncé comme le contour? Ah ouais? Attends, je duplique. Du coup, j'ai envie de mettre aussi mon contour, contour comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ceci? Ouais, là sur cette chance qui suit, mais sur les couleurs claires, ça fait la diff. Ok, ok, mais ça c'est bon à savoir, tu vois. Sinon, ça... ouais, c'est vrai que ça devient terne vite. Maintenant, je vois une pomme. Oh putain, il nous emmerde. Ah, punaise. On dirait plus du tout un bitou. Bon. Au pire, c'est une pomme qui a... C'est une pomme qui a moisi et puis la nature a repris le dessus. Voilà. Un bidou, un crâne qui a un coup de soleil. Oh, Nathan! On va en découdre. Tu sais ce qui fait des rougeurs aussi, hein?
Avec des tatouages tribaux. Putain, vous vous rendez compte? Je prends une illustration de base et j'arrive à dénaturer le visuel rien qu'avec des ombres à la con, tu vois. C'est ouf, hein? Ça, c'est mon niveau d'illustrateur, tu vois. Je dénature les autres trucs. Et c'est le bleu qui gêne? Enfin, qu'est-ce qu'il a, le bleu? Je trouve que ça le met bien en avant avec les pétales jaunes, justement. Ça la fait ressortir. Ouais, je te remets l'illus de base. On était là-dessus. Clairement, tu l'invites, elle te refait toute la peinture, le placo, elle refait tout. Là, ça passe mieux parce qu'il y a un contour entre le bleu et le rouge. Ah, peut-être qu'il faut que je rajoute aussi un petit contour. C'est possible, c'est possible. J'avais là-dessus mon style de calque. Avec le contour là, il vibre le bleu. Plus épais peut-être. Non. C'est mieux. 15 alors, entre les deux. Et pourquoi pas tout le fond Orbidou en bleu? Ouais, je peux essayer aussi. Bon, je décolle. Bonne fin de live à tous. Des bisous. Ciao, Fuda Libre. Merci d'avoir passé une partie de l'après-midi avec nous. Merci infiniment, ça fait trop plaisir. C'est trop cool de vous retrouver à chaque fois. Sinon, pour vérifier si rien ne vibre, tu passes en noir et blanc et tu vois s'il y a des teintes trop proches. Alors. Bim. Du coup, c'est peut-être le jaune pisse et le bleu, là. On dirait que c'est la même chose, s'il te plaît. Peut-être ça, hein. À 37 degrés là. Si on le colore du même jaune que les pétales, tu penses? Et là, on lui met peut-être juste aussi un petit style de calque, une petite ombre interne. Et en blanc, non, on verra plus. Ouais, en blanc, on verra plus. Bon, là, il se dénote déjà mieux. Et on a rajouté du coup des petits détails de lumière.
Qu'est-ce qu'on en pense? Dites-moi, c'est vrai que ça glow up là. Ça glow up les petits détails. Ouais, c'est pas mal. Mais le contour du play est peut-être un poil gros. Ouais, normalement c'est 10, effectivement. Et là j'ai mis à 15. Et moi ce qui me gêne, du coup, c'est peut-être le contour des feuilles maintenant. Les feuilles, elles ont l'air... On va juste changer le size des petites feuilles. On va les faire plus grandes. Celle-là, je crois qu'elle est bien. Celle-là, on peut l'agrandir. À 125. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. J'aime trop l'anime des feuilles, là. Ça fait vraiment organique, j'aime bien. Est-ce qu'on fait se réduire aussi le cercle bleu à la fin? Genre il disparaît. Pas mal, hein? Je pense qu'on va laisser comme ça. Est-ce que du coup, vu qu'on a modifié les couleurs, est-ce qu'on enlève nos tatouages tribaux? Je trouvais que ça ajoutait quelque chose. Mais du coup on va faire juste un arc de cercle. C'est quoi? Yeah. Yeah. On va faire un truc comme ça. Ça rajoutait quelque chose en bas, je trouvais. Peut-être ça marche pareil pour nous si on te fait pipi dessus, tous tes poils tombent. T'as essayé? Mais non, je pense pas. Scientifiquement parlant, L'Autoboot te déteste, ouais. Autobot. L'Autobot, ouais, non. Il est pas fan de ce que tu nous proposes. Ah, j'aime bien.
C'est quoi cet effet là? Ah oui, c'est l'effet teinte du coup. Par contre, il y a un problème avec notre fleur là. Ici. C'est le bend. Il nous faut une limite de croissance ici aussi. Ça fixe pas. Ah oh putain, on avait commencé le live avec celle-là. C'est la bouclée. Je trouve que la sphère là qui décroît aussi, ça met l'accent sur les dernières petites gouttes et ça rajoute du drame à l'ensemble. Un effet dramatique. Ok. Bah c'est terminé hein, pour moi. Pour moi on est bon. All right.